J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une motivation ménage. Donc, je vais nettoyer mon salon, ma salle à manger, ma cuisine. Je vais essayer de tout bouger hein, pour mettre à plat. Bon, bah, je vous prends avec moi. À tout de suite. Je vous reprends en voix off. Donc là, j'ai ouvert mon volet. Je range les couvertures pour regarder la télé. Hein. Je remets bien mes couvertures sur mes plaids sur mon canapé. Parce que comme vous voyez, j'ai toujours pas collé le papier peint. Je remets les coussins à leur place. Là, je vais dépoussiérer. En fin de compte, c'est ma machine à coudre. C'est une ancienne machine à coudre. Mais je mets ma récente dessus. Étant donné que j'ai pas de place dans ma salle, du coup je la mets ici. Donc là c'est pareil, il y avait des boîtes, je sais pas comment on appelle ça. Voilà, et donc là je bouge le meuble et la catastrophe. C'est rare que je le bouge en fait, pourtant elle est simple à bouger, mais bon voilà quoi. Faute de motivation. Voilà. Donc là pareil, dans le coin là-bas, j'ai nettoyé les murs du lambris parce que j'ai vu qu'il y avait des traces. Et là, j'ai passé un coup de serpillière. Donc là, j'ai fait l'écran de la télé. J'ai débarrassé un peu où est-ce qu'il y a des consoles là. Et puis je vais faire de la poussière. Ici, il y a pas mal de poussière étant donné que c'est ça produit de la chaleur, donc du coup ça il y a pas mal de poussière. Voilà, je dépoussière aussi le bas du meuble. Tant qu'à faire. Là, je bouge le meuble. Derrière, c'était pareil. Il y avait pas mal de choses. Hein. Quand les enfants ils jouent, bah, ça part derrière. Et puis voilà. Quoi. C'est pareil, je lave aussi le mur aussi. Hein. Sur le papier peint, il y avait. Je sais pas ce qu'il y avait. Je sais pas ce qu'on a mis en fait. Là, pareil, je passe le coup de serpillière. Et puis je replace le meuble. Ensuite, je vais passer un bon coup de serpillière. Bah, vous voyez le décor hein. dans le salon. Et ce sera fini pour le salon. J'ai bougé aussi le vélo du coup. Donc là, nous voilà dans la salle à manger. Donc là, je vais dépoussiérer tous les petits bibelots qu'il y a sur ce meuble-là. Je les enlève parce qu'une fois, je les ai pas enlevés. J'ai voulu bouger le meuble et j'en ai cassé un. Donc du coup, maintenant, j'enlève tout du meuble. Les cadres, tout, quoi. Je dépoussière. Que j'ai bougé le meuble là aussi. Derrière, il y avait pas mal de toiles d'araignée. Je passe un coup de chiffon sur le meuble. Je bougeais un peu parce qu'il n'était pas assez bougé. Et je vais passer le coup de serpillière derrière. Je replace le meuble et là je vais remettre tous mes petits bibelots. Donc, je dépoussière encore une fois en dessous. Là j'attaque l'autre meuble, hein. J'enlève les cadres photos que je. Là parce qu'il y a des traces de doigts dessus. Je dépoussière le meuble là aussi.
Oui, je vais le bouger pour laver derrière. Et pareil, il y avait plein de toiles d'araignée. J'avais évité de les bouger, mais étant donné que j'ai la ceinture, du coup, je peux quand même bouger un peu les choses. Voilà. Je vais passer le coup de serpillière. Et je replace le meuble. J'essaie de vous recadrer, mais le téléphone il tombe sans arrêt. Donc là, je vais laver le côté là de la salle. Et je laverai l'autre côté après, en fait. Parce que comme elle est grande, voilà, que j'ai coupé en deux parties. Donc là, nous voilà de l'autre côté. Donc là, je vais nettoyer mon bureau. Je vais faire l'écran de l'ordinateur. Là, je fais des poussières. Pareil, il y avait plein de poussières aussi. Hein. C'est incroyable. On peut la faire tous les jours, la poussière. Il y en a toujours autant. Je suis en train de trier les papiers que j'avais sur le côté. Là, je vais passer un bon coup de balai pour nettoyer en dessous. Là, vous ne me voyez pas, mais je suis en train d'enlever toute la poussière qu'il y a en dessous parce qu'il y a un creux et il y a une rallonge électrique où il faut enlever la poussière tout en dessus. Là, je vais débarrasser mon grand meuble parce que il est bien beau le grand meuble là, mais tout le monde y met tout. Donc c'est vite l'anarchie. Par contre, j'ai utilisé le Fabulosa odeur coton pour dépoussiérer. Franchement, elle sent très bon. Il fait bien son job. Donc là, vous voyez, tout le bazar, en fait, c'est tout ce que j'ai ramassé un peu partout. Donc là, je trie pour ranger au bon endroit, en fait. Et Rina m'avait sorti tous ces stylos qu'il y avait dans la boîte pen. Donc voilà, je passe mon temps à les remettre. Là, je vous ai coupé un peu. Hein. Là, je vais finir de ranger. Bon, il n'y avait plus grand chose. Hein. Et je vais passer un coup sur la table avec le produit Fabulosa de cuisine. Là, j'essuie. Et puis, je vais finir de balayer et passer la serpillière. Donc là, je suis arrivée dans ma cuisine. Ça, c'est au-dessus de mon lavabo. En fait, ça ramasse toute la graisse qu'il peut y avoir quand on fait à manger. Donc là, je dégraisse avec le produit Briochin cuisine hein, pour dire enlever le gras. Quoi, parce que franchement, c'était gras. Voilà quoi. Bon, ça va, c'est facile à nettoyer. Donc, j'ai même nettoyé la grille de la VNC en haut là, parce que c'est vrai qu'elle était sale aussi. Du coup, j'ai tout fait en même temps.
C'est où est-ce que je mets mes épices? Je remets mes épices, je les frotte aussi un coup. Voilà. Ensuite, là, je vais bouger mon gaz et mon lave-vaisselle. Ils en avaient bien besoin. Pareil, je nettoie les côtés du gaz avec le briochin aussi, hein, et du lave-vaisselle aussi. Il y a des fois, il y a des cochonneries qui se mettent entre deux, en fait. Et donc, voilà. Là, pareil pour le lave-vaisselle, du coup. Et je vais passer le coup de serpillière après. Je remets tout en place. Je repasse un coup au-dessus parce que je lave bien mes portes. Voilà, donc là, je vais laver ma poubelle. Hein, elle était pleine, donc je l'ai vidée et j'utilise le super croix au javel. Pour de bien désinfecter en fait. Je vais la remettre à sa place, je vais laver le couvercle. Oui, je vais remettre un sac poubelle. Un sac poubelle dedans. Là, je vais relaver un petit coup mon lavabo parce que bien sûr, ça salit. Et là, je vais faire de l'autre côté de la cuisine. Donc là, pareil, il m'avait pris des gâteaux. Les gâteaux étaient écrasés sur le meuble. Irina, elle avait joué avec sa dinette. Du coup, j'en ai profité pour la mettre dans le lavabo pour la laver tout à l'heure. Parce que bon, voilà, il faudrait que je la lave. Là, je passe un bon coup de lavette partout. Et là, je vais bouger mon petit meuble où j'ai ma bouilloire pour laver derrière. J'ai essayé de bouger le meuble de la cuisine, mais il est trop lourd, j'arrive pas. Donc je vais attendre après monsieur pour le faire. Voilà, ménage fini. Bon, voilà, bah, j'ai encore l'éponge. Hein. Mais bon. Là, ici, la salle, elle est propre. Voilà. Voilà. Et puis le salon. Voilà, bon, j'ai encore mon rideau qu'il faut que je raccroche. Mais voilà, voilà. Cette motivation ménage tous. Donc, cette motivation ménage touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura motivé pour faire votre ménage. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis ciao!